charge. Wasting my time could cost lives. I believe the golem is after me. I shall stop it. I guarantee it. We all wear pantomime masks, do we not? C'est très important pour moi, ça fait un an que j'attends ça, pouvoir présenter le film à Paris et dans cette salle mythique, le Max Linder, où j'ai moi vécu tellement de grands moments comme cinéphile. Comme je disais hier, j'ai encore les souvenirs d'avoir découvert sur grand écran, parce que j'avais déjà vu, mais la première fois que j'ai vu sur grand écran Heaven's Gate de Cimino. Et c'était ce soir-là, Cimino était venu présenter le film avec Isabelle Huppert et ils avaient parlé avec le public pendant une heure. C'est hallucinant. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça au Max Linder. Du coup, ouais, c'était assez mythique de présenter le film là-bas, quoi. Bah, principalement, l'inspiration vient de on va dire du roman de Peter Ackroyd, de l'univers qu'il décrit, de sa façon très personnelle et très détaillée de décrire les sensations, les odeurs, aussi de citer des grands écrivains de l'époque, Verlaine, Mirbeau, Dostoïevski, leurs premières impressions de Londres, leur description de Londres comme une vision de l'apocalypse et de l'enfer. C'était assez récurrent comme adjectif. Et en fait, par rapport à cette vision de Londres, justement, j'ai recherché plutôt à recréer une vision très subjective, basée sur des œuvres d'artistes comme William Blake, Gustave Doré, des peintres comme John Martin ou Grimshaw, en fait. Et c'est un peu ces artistes-là, Piranesi aussi, c'est ces artistes-là, en fait, qui m'ont servi pour créer l'univers visuel du film. En fait. Donc je voulais quelque chose de beaucoup plus subjectif et pas vraiment une réalité documentaire, quelque chose de beaucoup plus vu à travers le ressenti de quelqu'un. Pour moi, le côté d'être transporté dans ces rues-là et de croire, d'y être vraiment, c'était quelque chose d'essentiel. Je voulais vraiment quelque chose de très viscéral, de très réaliste. De placer le spectateur dans cette poisse, sous la pluie, dans ces rues peu accueillantes, disons. C'était très important. En fait, ce qui m'intéresse dans les deux films, il y a un thème qui est récurrent, c'est la création d'un monstre. En fait, c'est le cheminement de l'innocence à la monstruosité. Donc c'est le thème, comment un monstre est créé, en fait. C'est ce thème-là qui est central aux deux films, je pense. Donc oui, il y a une continuité thématique, je pense, même si la façon de traiter le thème est très différente. Ils sont tous deux parmi les très rares acteurs qui auraient pu interpréter ces personnages. Hein. Olivia, c'était vraiment une trouvaille fabuleuse. À l'époque, je l'avais vu dans quelques films comme The Quiet Ones ou la série Bates Motel ou Me, Earl and the Dying Girl, où elle jouait toujours des personnages de jeunes filles, enfin de jeunes femmes malades, mourantes, avec un tube dans le nez. Je trouvais, mais elle est formidable, cette actrice. Il faut lui donner autre chose à jouer que des femmes mourantes. Et du coup, je l'ai rencontrée, je l'ai auditionnée, j'ai vu un peu à quel point elle était capable, malgré son jeune âge, 21 ans, d'être crédible dans l'innocence, mais aussi crédible dans la violence et dans la monstruosité. C'est quand même des qualités très rares. Du coup, ouais, ça faisait pas, ça pas fait un pli. Je l'ai prise pour le film. Je l'ai jamais regretté. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est extraordinaire, quoi. Elle a créé un truc. Et là,
la combinaison avec Bill est très intéressante, justement. Là. Oui, parce que justement, ça touche pas la même génération. Non, le fait que cette relation puisse être une sorte de relation presque un peu amoureuse, platonique en fait, entre les deux. Le personnage de Bill, il y a une volonté de servir la justice, la vérité. La justice, d'habitude, est servie par la vérité. Et à un moment, il se rend compte que non, en fait, pour servir la justice, il va devoir tuer la vérité. En fait. C'est son dilemme à lui qui est passionnant, je trouve. Enfin, une thématique qui m'intéresse beaucoup. On parle de deux formes très différentes. Donc, une forme, c'est la forme écrite, et l'autre forme, c'est la forme filmique. Ça n'a rien à voir. C'est deux formes très différentes. Donc, il faut une transformation en fait du matériau, transformer depuis le matériau littéraire au matériau filmique. Quoi. Donc, il faut passer par l'idée. Il faut réduire à l'idée essentielle. En fait, il faut aller dans le cœur des idées essentielles du livre. Et trouver quelle est leur expression cinématographique pour le passer dans un film. Donc, pour moi, c'est ça, il faut vraiment comprendre, synthétiser l'essence d'un livre pour le passer dans un film. Je sais par exemple que ce n'était pas le cas de Stephen King avec Shining. Stephen King n'a jamais accepté le fait que Kubrick avait fait un grand film de cinéma avec son livre, et que c'était pas qu'il n'avait pas respecté effectivement la lettre, qu'il avait changé des choses. Mais au final, quand vous regardez le film et quand vous avez lu le roman, vous savez très bien que vous voyez bien que Kubrick a quand même saisi l'essentiel du livre. Il a absolument respecté l'essence, l'âme du livre. Seulement, il en a fait un film de Kubrick, et c'est tout à fait à son honneur. Il en a fait un grand film, alors que respecter la lettre n'aurait pas forcément fait un grand film. Alors que c'est un grand livre, hein. Moi j'adore, le bouquin est sensationnel. Mais le film est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre de cinéma, en plus d'être une adaptation tout à fait fidèle. Donc je ne pense pas que Stephen King ait raison de dire Kubrick n'a pas fait une adaptation fidèle. Je pense qu'il n'a pas raison de dire ça, je pense qu'il y a un côté très mauvaise foi en fait. Après, bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont de mauvaise foi, hein. c'est leur droit. Ça reste un génie. Le fait qu'il puisse être de mauvaise foi par rapport à son œuvre ne lui enlève rien. Pour moi, l'essence du bouquin, c'est cette vision au scalpel un peu de la société victorienne de l'époque, de la condition de vie des masses ouvrières, c'est un peu une vision prophétique de notre monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit par rapport à nous aujourd'hui. Donc il y a une vraie modernité là-dedans. Et aussi un peu ce questionnement de... un peu cette vengeance d'une férocité inouïe en fait. Qui est une vengeance contre un système d'oppression permanent en fait. Ça c'était pour moi ce qui avait de plus essentiel, c'est cette vision de Londres, de la ville, cette vision satirique et sarcastique et à la fois très très touchante en fait, du parallélisme entre la rue et le théâtre, cette vision très poignante de comment les gens vont voir au théâtre une représentation burlesque de la violence qu'ils subissent dans la rue en fait. Pourquoi ce besoin humain de finalement expier sur scène les outrages que l'on subit dans la rue en fait, en quelque sorte, dans la cellule familiale. Le film, ce que vous voyez sur scène, c'est réaliste, c'est réel. Hein. C'est tous les numéros musicaux, c'est documenté. C'est vraiment, on a recréé le travail de Dan Leno. C'est très minutieux, quoi. C'était vraiment les chansons de Dan Leno, on l'a récupéré, qu'on a orchestré, qu'on a enregistré, on a recréé le musical de Dan Leno. C'est très 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 véridique et documenté, quoi. Les séquences, c'est impressionnant d'ailleurs. Mm-hmm.
Mais c'est, j'ai essayé de recréer vraiment la sensation de ce que ça aurait été d'assister à ça quoi, à l'époque. Bah déjà, c'était un film difficile à financer. C'était un film qui sortait un peu du lot avec comment dire, un film assez atypique. Difficile à mettre dans une boîte, donc ça a été très difficile à financer. Ça a pris beaucoup plus longtemps qu'on pensait avec le producteur pour le financer. Et donc ça, d'une part, c'était déjà une des difficultés. Ensuite, il y a eu la maladie et le décès de mon comédien principal, de la personne qui devait jouer le rôle de Kildare au départ, qui était Alan Rickman. Donc ça, c'était une tragédie aussi qui a accompagné la production du film. Et donc j'ai dû remplacer Alan par Bill Nighy. Ça s'est passé des semaines avant qu'on commence à tourner le film. Et ensuite, pendant le tournage, on a eu aussi notre lot de désastres. On a eu deux tempêtes terribles qui ont détruit les décors. On a eu toutes sortes Enfin, le tournage était physiquement très dur. En plus, on a dû tourner. On avait 42 jours de tournage qu'on a tourné pratiquement dans la continuité. C'est-à-dire, c'est un film qu'on a tourné sur un mois et demi, alors qu'Insensible, par exemple, je l'avais tourné sur deux mois. Donc, c'était un tournage plus étalé, un rythme plus relax. Là, c'était des semaines de 6 jours avec un jour de repos. On tournait 12 heures par jour. Enfin, c'était vraiment, vraiment violent, quoi, physiquement. Et ça, c'était à cause des disponibilités aussi des acteurs, parce qu'on avait un cast. Pour avoir ce cast de cette qualité-là, forcément, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très demandés. Donc, pour arriver à les cadrer tous en même temps, sur un mois et demi, c'est très difficile. Ouais, c'est de plus en plus difficile. C'est sûr qu'on vit une époque très compliquée pour sortir des films un peu atypiques en salle, ce qui du coup peut dissuader les financiers de s'y intéresser au stade du projet. C'est un peu à moins d'être dans des budgets très modestes. Un film qui coûte ce genre de budget, c'est pas un film cher. Donc on est dans la catégorie des films à budget moyen. Qui est aujourd'hui la catégorie, enfin 8 millions d'euros à peu près, c'est le budget du film. Hein, donc c'est les films les plus difficiles aujourd'hui à faire. Oui, c'est une espèce d'époque de transition. Enfin, quand il y a un an, il y a le Grand Prix de Deauville, 99 Homes, qui est même pas sorti en salle. Grand Prix du Festival de Deauville, avec un casting quand même. Andrew Garfield, Michael Shannon, c'est quand même des acteurs soi-disant bankable, parmi les plus bankable. Aux États-Unis, donc on se dit, il y a le cast, il y a un film qui gagne un grand prix, et pourtant il sort pas en salle. Bon, c'est pas du tout la faute des distributeurs. Hein. À l'époque, c'était Wild Bunch, ils ont raison de faire un pari sur la VOD et sur parce que eux-mêmes ont un job très difficile vis-à-vis des réseaux de salles, vis-à-vis des exploitants. Et d'une idée préconçue un peu du public français, d'une certaine idée du public français que moi je trouve pas très très légitime en fait. Je trouve que pas plus légitime que la fameuse ménagère de moins de 50 ans de la télé hertzienne française. Oui, je pense que c'est déjà le cas. Hein. Je pense que l'avenir va passer par les grandes plateformes de VOD. Netflix, Amazon, Apple. Bientôt Disney. Oui, enfin, ça va être les grands. Mais le problème, c'est que c'est des grandes boîtes américaines et qu'au final, on va se retrouver avec des trucs. Avec des films, des séries produits, tout va être produit à partir de Burbank et Los Angeles. Et au final, tout va être uniformisé, on va perdre beaucoup en richesse et en variété, en fait, je pense. Il y a des très très grandes choses produites par... Ces boîtes produisent des séries et des films fabuleux, hein, ils produisent des très très grandes choses. Au final, la peur que j'ai un peu, c'est une certaine uniformisation, qu'on n'ait plus...
on n'est plus que des choses qui sont un peu toujours faites par les mêmes, avec les mêmes acteurs, avec un peu les mêmes thématiques, et qu'on perd un peu de leur variété de par le monde en fait. Là en fait je suis en train de faire une série, les deux premiers épisodes d'une série Sky, mais c'est une commande, donc c'est plus quelque chose, j'ai pas de contrôle sur le scénario, je suis technicien réalisateur sur cette série, mais j'ai un projet de série produit par Ridley Scott qui est plus personnel, et j'ai plusieurs autres projets de films sur lesquels je travaille. Je suis en train de travailler à l'écriture là, avec un scénariste britannique. Donc, on espère avoir écrit les trois premiers épisodes de la première saison dans quelques mois. En fait. Bon, début d'année prochaine, ça devrait être fini. Pour peut-être, j'espère, une mise en chantier à la fin de l'année prochaine.